Bien le bonjour et bienvenue dans cette vidéo vous présentant comment intégrer Zoom dans votre environnement Léa Omnivox. Donc, j'utiliserai ici le PDF de Suzy Veilleux afin d'utiliser ses visuels puisque, comme vous le voyez, mon carré dans Quad 9 est déjà bleu et non pas orange comme il l'est probablement pour vous. En fait, comme il l'est pour vous si vous n'avez pas commencé votre lien ou votre configuration de vos cours à distance. Alors, ce sera plus clair pour vous, ce sera plus visuel. Donc, voilà. En fait, normalement, vous venez tout simplement cliquer sur votre carreau orange juste ici et ça vous mènera, lorsque vous n'aurez pas encore configuré vos cours, ça vous mènera à ce visuel ici. Donc, vous pourrez ainsi évidemment prendre le temps de lire si vous le souhaitez, ce que je vous recommande fortement, et par la suite cliquer sur configurer mes classes à distance. Ça vous mènera ensuite tout simplement à ce visuel-ci qui vous donnera l'opportunité, la possibilité de vous créer un compte Zoom ou de lier votre compte Zoom à Omnivox Léa. Donc, évidemment, si vous avez déjà rempli cette première étape névralgique qui était de vous créer un compte Zoom avant même de configurer vos classes à distance, dans ce cas-là, l'étape de création est déjà réglée. Sinon, vous pouvez quand même passer à travers la création du compte Zoom à partir de cette icône-ci. Vous verrez que Suzy vous a tout simplement donné en fait les deux voies possibles à l'intérieur de ce procédurier. Voilà. Donc, voilà. Lorsque vous commencerez, alors reste juste à vous de voir si vous liez votre compte ou si vous créez le tout. Alors, dans les deux cas, en fait, vous devrez tout simplement entrer votre adresse courriel du Cégep de Sherbrooke que vous avez évidemment préalablement utilisé dans votre configuration, dans votre inscription sur Zoom, configuration de votre profil Zoom. Donc, lorsque vous entrez le tout, alors un courriel de confirmation vous sera envoyé directement à votre adresse courriel. Reste à voir si vous n'avez pas encore configuré, donc si vous n'avez pas encore réalisé votre inscription auprès de Zoom, vous débuterez ainsi à partir de votre courriel reçu de Zoom votre inscription. Si vous étiez déjà inscrit, alors vous recevrez tout simplement un courriel de confirmation d'activation et par la suite, donc, vous pourrez activer votre compte Zoom sans problème et vous aurez donc accès à l'ensemble de vos options dans Zoom. Il n'est pas trop tard, évidemment, pour reconfigurer aussi vos différentes options Zoom. Je vous invite à revoir la vidéo qui vous présente l'ensemble de l'utilisation Zoom dans votre enseignement afin de voir les différentes options possibles. J'ajouterai évidemment sous peu une vidéo qui vous présentera si vous avez participé à la semaine pédagogique de juin 2020. Vous avez vécu ce qu'on appelle les breakout rooms, donc les sous-groupes en plein milieu donc de votre atelier ou de votre cours en ligne. On vous a subdivisé en sous-groupes et par la suite on vous a ramené en grand groupe. Alors sachez qu'il y aura une nouvelle capsule qui sera ajoutée sous peu, vous présentant justement comment configurer vos breakout rooms. Donc, voilà. Alors, si vous n'avez pas de compte, évidemment, vous passez par s'inscrire avec un mot de passe. Très important de ne pas vous inscrire, vous connecter à partir de Google ou Facebook. Évidemment, on doit synchroniser le tout avec votre compte Cégep Sherbrooke. Donc, voilà pour ce qui est de votre inscription si vous n'aviez pas déjà de compte. Vous accéderez donc à votre profil. Voilà. Et par la suite, vous reviendrez ici. Dans les deux cas, en fait, vous y reviendrez. Très important, donc, de renvoyer le lien parce que malheureusement, Omnivox ne se rafraîchit pas directement. Donc, en renvoyant le lien, vous allez avoir une nouvelle fenêtre que vous venez fermer tout simplement. Et par la suite, vous aurez enfin accès à votre Léa Classe à distance qui vous confirmera juste ici. C'est très, très important de voir cette petite ligne-là qui est encadrée en rouge dans le procédurier, mais qui ne le sera évidemment pas dans votre véritable espace. Donc, compte Zoom associé et vous devriez voir votre compte Zoom qui est associé. Donc, nom de famille, prénom, cégepsherbrooke.qc.ca. Une fois ceci réalisé, donc, vous avez accès à vos classes à distance et nous pouvons donc ensuite passer à la capsule suivante qui vous présentera tout simplement comment configurer vos différentes classes, qu'elles soient en présentiel, hybride ou à distance totalement. Merci.